Allez bien les garçons aussi, j'ai pas fait trop de store aujourd'hui parce que comme je vous ai dit dans la voiture tout à l'heure, j'ai été malade ce matin, je sais pas pourquoi. J'ai vomi, enfin, genre c'était trop bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça, genre j'ai vomi de l'eau mais genre j'ai vomi ça. De toute façon depuis 6h du matin, je sentais, 6h30 du matin, je sentais que j'étais barbouillée et tout. Et genre en fin de matinée, voilà, bah je me suis pas sentie bien. Donc après, je me suis quand même forcée à sortir pour aller au restaurant parce que j'avais rendez-vous avec mon père, avec mon chéri. Voilà, il faisait hyper beau, donc ça m'a fait du bien. Mais c'est vrai que depuis ce matin, en fait, je suis un peu barbouillée, quoi. Donc j'espère que je suis pas en train de tomber malade. J'ai mangé du riz, du coup, ce soir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas une gastro parce qu'une gastro, croyez-moi que j'en ai déjà eu et on vomit pas ça, hein. Mais là vraiment genre j'ai vomi que dalle, enfin c'était trop bizarre genre. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait trop de story. En rigolant je disais ça se trouve je suis enceinte du deuxième. Franchement j'espère pas. Pas tout de suite. Là honnêtement je me. Lola là, 5 mois et demi, je me sentirais pas du tout prête là d'enchaîner avec un deuxième. Rihanna elle est tombée enceinte genre quand son bébé il avait 3 mois, elle est retombée enceinte. Franchement je sais pas comment elle fait. Parce que là, en fait, je mets tellement toute mon âme, tout sur Lola, que je me sentirais pas de faire pareil, en fait, là, tout de suite, maintenant, pour un deuxième. Dans un an et demi, 2 ans, 3 ans, oui. Mais là, tout de suite, maintenant, franchement, non. Il faut déjà que je récupère la fatigue accumulée. Et là, on est tout juste en train de trouver un rythme incroyable avec Lola au niveau des siestes, au niveau de la nuit. Enfin, je suis en train de me faire un film hein, parce que c'est absolument pas ça. Je ne suis absolument pas enceinte du deuxième, mais genre ce matin, je me suis dit, mais imagine. Ah. Maman, elle a un joli collier, hein. Il te fascine ce collier. Hein. Ah, bah oui, parce qu'il y a plein de couleurs. Aïe, 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 t'as envie de le manger? Ah, bah oui. Aïe, aïe, aïe. Tu l'adores ce collier, hein? Ah, oui, dès que je le mets, les filles. Vu qu'il y a de la couleur. Oui. Oui. J'ai mis Lola à la sieste, les filles. Je vais en profiter du coup pour prendre ma douche, pour me laver les cheveux. Je me suis fait une petite coiffure hier. Hop. Donc là, les filles, je sors de la douche. Je me suis lavé les cheveux. Je me maquille, les filles. Et ensuite, je me coiffe. Alors, normalement, ma routine, c'est d'abord je me coiffe et ensuite je me maquille. Mais la dernière fois, j'ai fait un sondage. Et vous étiez hyper nombreuses les filles à me dire que vous faisiez l'inverse. Alors je me suis dit bah, je vais tenter de faire l'inverse. Je vous avoue ça me perturbe un peu parce que j'ai pas du tout l'habitude. Vous savez quand on a une routine, genre de faire l'inverse c'est trop bizarre. Mais pourquoi pas, en vrai voilà, je vais essayer. Moi je me mets mes deux mascaras à chaque fois hein. Et je suis perturbée parce que hier matin à la même heure les filles j'étais en train de vomir. Enfin vomir, c'est un grand mot hein, genre j'ai vomi de la bile, genre ça quoi. Alors que j'avais pris mon petit-déj une heure avant et j'ai même pas vomi mon petit-déj. Genre c'était que de l'eau, genre un tout petit peu d'eau. Imagine là dans 5-10 minutes, parce que moi c'est ma phobie de vomir, mais vraiment. Enfin je pense que personne n'aime vomir, hein. Mais moi c'est vraiment en particulier quoi. En gros je vous explique avec Victor, on a passé un accord pour Lola quand elle sera un peu plus grande, parce que bon bébé je m'en fous, c'est du lait. Mais quand elle sera plus grande, genre moi je m'occupe du caca. Il s'occupera du vomi. Genre, je peux pas. Donc voilà, on a passé un accord sur ça. Bon, après, parfois, je serai bien obligée de le faire, hein, quand il sera pas là ou quoi. Mais j'ai trop peur. Je vous dirai ça dans quelques années. Donc du coup, on s'est mis d'accord sur ça. Moi, caca et le vomi. Bon, allez, je vais me sécher les cheveux. Je fais mes sourcils. Hop. Les filles, juste avant de me sécher. En premier, les filles, je vais pas vous montrer à chaque fois que je me lave les cheveux, tout ça. Donc, j'ai tourné une vidéo où j'utilise évidemment, en me lavant les cheveux, les produits de chez Maybe Paris. Parce que franchement, se filmer sous la douche et tout, les filles, c'est une méga galère. L'ordre, j'utilise.